Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons voté en première lecture à l'Assemblée nationale le projet de loi Climat et résilience. Et comme convenu, je vous avais dit que je ferai quelques vidéos pour vous expliquer les amendements que nous avons adoptés, mais surtout les articles en fait examinés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler affichage environnemental et éducation. En ce qui concerne l'affichage environnemental, c'est une expérimentation. Et ce que nous avons voté, c'est la possibilité, à l'issue de l'expérimentation, d'établir en fait la liste des catégories des biens et services qui seront obligés d'avoir cet affichage environnemental. Bien sûr, cela voudra dire qu'il y aura une mesure d'impact par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, mais surtout les conditions dans lesquelles nous pourrons bien informer les consommateurs. En ce qui concerne l'éducation, plusieurs mesures ont été adoptées. La première, c'est l'éducation à l'environnement et l'éducation au développement durable. Demain, du primaire au lycée, tous les élèves seront sensibilisés aux forts enjeux de ces deux thématiques. Et ceci de façon interdisciplinaire, c'est-à-dire dans chaque classe, quelles que soient les matières, nous parlerons donc environnement et développement durable. De même, au niveau des universités, aujourd'hui il y avait l'item développement durable, demain nous mettrons l'item complémentaire environnement, transition écologique. Une autre mesure phare, c'est la notion de dérèglement climatique. C'est-à-dire que demain, au niveau de la scolarité, nos enfants n'apprendront plus le réchauffement climatique, mais le dérèglement climatique. À savoir, au-delà de la chaleur, nous parlerons aussi de la montée des eaux, inondations, gel, grêle, etc., etc. Le dernier point, c'est la formation des professeurs et des enseignants à la sobriété numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement rééduquer en fait nos enfants, rééduquer les élèves en milieu scolaire à une moindre consommation, à passer moins de temps devant les écrans et à ne l'utiliser en fait qu'à bon escient. Voilà pour aujourd'hui, je vous ai parlé affichage environnemental et éducation et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter d'autres articles que nous avons adoptés. Je vous remercie.